Ça va, essoufflé, on abandonne, on arrête. Qui nous fait m'arrêter? M'arrêter, nous continuer. M'arrêter, nous continuer. 28 minutes pour qu'on réponde. Nous continuer, nous arrêter. Si nous arrêter, nous arrêter net. Si nous continuer, nous reprendre là-dedans même. Qui nous fait? Qui nous fait? Continuer. Nous continuer. Ça qui vous tient envie de Fernand de toi, coach sportif, 12 ans d'expérience. Mes spécialités, musculation, fitness et perte de poids. Je fais aussi un sport groupe de training. Mon atout, c'est mon motivateur. Encore, 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 ramenez encore, 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 encore. 9, 10, inspire. 11, encore. Et 12. Comment? Comment nous pas abandonner? 30 secondes, nous pas abandonner. Nous pas manger le dernier 30 secondes. Comment on dit? Ball. Au-dessus de la tête, explose. 4, 3, 2, 1, boum. Crochet devant. Très bien. Cool down, relax yourself. Respire, garde la tête haute, garde la tête haute. Là. Relax, respire. Inspirez. Essoufflez. Je suis Jessica Eleodo, 37 ans. Maman de deux enfants et mariée. Et pour moi, c'est que je suis bien contente que je participe dans l'émission de challenge. Et là, mon objectif, c'est que je me sens bien dans mon lap. Là, encore. Relève la tête, relève la tête. Come on. Là. Come on, encore, continuez. Relève. Là. Encore. Là. Très bien, nous continuons. Caisse de Jérôme, 20 ans dans le domaine fitness. Ma spécialité, c'est cours collectif, personnel coaching, accompagnement, cours d'amaigrissement. Mon atout, passionné par le sport, le fitness. 10, encore, 11 et 12. 12, mountain climber avec le dos. Salut. Donc, moi, c'est Valérie Gangaram. Très contente d'avoir été sélectionnée pour participer dans l'émission Le Challenge. Donc, moi, j'ai 33 ans, mère de deux enfants, mariée. Et donc, moi, mon objectif pour le challenge, c'est perdre 2 à 3 kilos. Et m'espérer mon récit atteindre mon but. 8, 9, 10, 11, 12. Et on y va. Let's go. Encore. 2, 1. One more. One more. Boom. Très bien. Très bien. Pause. Voilà. Alors, feedback de la journée. Bien tu as commencé. Voilà, finalement, on a une réputation de chien manger avec vous. Vous pouvez accepter. Alors, là par contre, tu as envie après séance de gym, après séance de coaching, comment est-ce que ça s'est passé? Surtout avec Jessica. Alors, Jessica, après cette séance, on m'a trouvé comment t'as tué? On m'a trouvé comment t'as crié? Eh oui, si tu as crié là, tu as l'avancement. Oui, j'ai l'impression que tu faisais un dimanche d'ailleurs, pas tout le temps, comment dire, pour ta part. Tu as le temps de support? Oui. Effectivement. Ok. Alors, après tes séances, je connais que là, nous avons réussi à prendre un petit peu de menace sur toi, tu es pas un petit peu clé, tu es senti un peu correct, tu es bon travail là. Oui. Tu as senti un léger changement depuis que tu commences ton coaching avec ta maman? Oui. Pas un léger, un très grand. C'est-à-dire, quel changement tu as senti? Même qu'il écoute mon routine de vie aussi, un changement énorme. Parce qu'il n'est plus pareil comme avant. Dans l'école même, il y a beaucoup de changements maintenant. Une vie. Positif? Oui. Super. Ça fait du bien d'entendre tout ça, Fernando. D'habitude, d'habitude. Normalement, quand on va adhérent, on vient. Mais tout le temps, nous l'avons fait, que ce soit moi ou d'autres coachs, bien sûr. Et nous l'avons fait, pas que le physique, mais aussi le moral. Hein. Il y a aussi le bagage mental. Donc, à part de pareil comme ton geste pédiatrique, étant les limites, c'est différent, mentalement, c'est différent. Quand tu fais le vote, tu votes vote et là, moi, je trouvais qu'il est geste, moi, tu choisis lui, bien sûr, tu es numéro 3. Je me rappelle bien, c'était le numéro 3. Et là, moi, tu prends lui, moi, tu dis, ouais, moi, c'est un défi là. Parce que, il y a un potentiel, mais il cachait lui. Hein, il cachait lui. Et là, nous, on a encore
un petit chemin encore à parcourir. Et puis cela m'espérer qu'il continue la route, bien sûr, il continue la route. Et là, nous sommes capables de gagner encore plus de résultats. Et bien sûr, je continue là et je continue à dire, même en dehors de l'émission. Comment ça s'est passé, ça s'est passé maintenant, malgré un petit peu plaigné. Oui, plaigné là, tu connais, tu es un man son. Et nous, on est un man collapse, que même nous, nous font, mais nous riez, que ça c'est tout à fait normal. Et nous, on est un bon moment qui nous passe, nous, on est un moment que nous avons un tire, là, comment nous dire, nous faisons un man collé, nous avons une crise d'angoisse, que même nous sommes chez nous, pas capable de faire ça, mais moi, même tout le temps là. Et pour moi, si je crois d'où on vient du monde pour moi, mais vous pensez que maintenant, vous avez envie de rester dans une des profonds là. Donc moi je me donne ça coup de pouce là pour dire, moi je me crie aujourd'hui, moi je me dis ça, je me service ça pour me capable d'aider du monde là. Si je ne suis pas aidé, si je ne suis pas crié aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il continue à faire ce qu'il veut mal faire, pour moi dire, pareil. Pour ça, c'est l'habitude que c'est au niveau de nutrition aussi. C'est tout qui est dans du monde, comme moi, madame ici, ben, il peut déjeuner 14h, 15h. Depuis le matin. C'est ça, mon plus gros problème qui nous gagne. C'est tout de nos jours avec les chefs avec le panorama de travail. Les côtés du monde, ils prennent ce déjeuner à 15h et ils prennent ce petit déjeuner à 7h du matin. Tu te rends pas compte de la gap qui tu es entre. Mais là, tu te crées une bulle, ça te crée un ballonnement dans une personne. Mais c'est ça même qui nous change. C'est pour avoir ça que tu gagnes un bon résultat. Voilà. Alors, we go for it encore quelques semaines, je crois, pour rire. Yes. Oui. Allez, we go for it. Go for it. Yeah. Alors, vous êtes assis dans Vie participe dans le challenge. N'hésitez surtout pas à nous envoyer votre candidature sur la page Facebook qui est affichée à l'écran. Donc, écrire le challenge sur Facebook. Vous allez vous chercher. Donc, le challenge vous envoie inbox votre photo récente en longueur, ainsi bien que vos coordonnées, donc nom, l'adresse, numéro de téléphone qui est super important et combien est-ce que vous pesez. Ça, c'est important aussi de savoir. Donc, tout ça, c'est envoyé sur notre page Facebook et à coup sûr, Scapav rentre aussi avoir la chance d'entrer dans notre émission, dans The Challenge, dans le challenge, le défi de moi. Là, en tout cas, il arrive un moment que nous pouvons faire un petit tour de table pour que l'évolution quand même de nos rondes, donc de nos baladérants, que c'est inarrivé dans le premier donc, stage moche de l'arrivée. Et cela avec nos deux coachs, donc Kersé Jérôme fait un nom de toi, peut-être qu'elle est capable de nous mener à PSU avec Valérie pendant ces quelques semaines, parce que Valérie a un objectif. Est-ce qu'il t'a fait trouver qu'ils étaient sur un bon chemin? Est-ce qu'il manque les temps? Est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce que tu penses qu'il a pas rajouté? Sûr que le temps nous manquait, surtout pour un coup, comment dire, un coup, bon, pour un training, un challenge de perdre du poids, ça c'est sûr. Mais quand même, ce qu'il fait, c'est qu'il peut traîner tous les jours sauf le week-end. Ok? Mais on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'améliorations au niveau flexibilité, beaucoup d'améliorations au niveau récupération. Ça veut dire qu'il est capable de prendre récupération moins, alors qu'avant, il était obligé de prendre récupération beaucoup plus. Ben, après, tout le mouvement est bien propre maintenant. Je me demande très à manier le mouvement propre. Du coup, maintenant, bien. Il est déjà dans une phase que il déplace plus vite et plus actif et il n'est pas payé avec bas de marché, il est plus habile. Ça, c'est déjà un bon point pour moi. Voilà. Et qu'en est-il de cette expérience par rapport avec l'émission même, le défi, le challenge? Donc, comment tu peux vivre cette expérience, toi, Cassie? Ben, parce que c'est l'expérience, pour moi, super top. Parce que être franc, moi, je suis content. Je toujours un client qui vient, qui donne moi un défi pour élever. Je suis dans poil mouillé, je suis environ dans une robe. Ça a été toujours comme ça. Mais là, quand même, il y en a un laps de temps très court. Et du coup, je peux vivre ça. Comment dire, on peut vivre ça vraiment ensemble avec lui. Parce que moi, j'ai gagné 3 mois, 6 mois avant le mariage, 1 an. Mais là, c'est très court.
Ben, du coup, nous sommes tiens de pression aussi, parce qu'il nous connaît quelque part, qui, surtout, dans lui-même, c'est une compétition, d'accord? Et quand nous connaît pour l'autre côté, fait dans le peu cravacher. Exactement, mais si c'était bon, donc on parle de Fernando, donc pour moi, maintenant, c'était pas possible. Exactement, exactement. Comment ça a été? Comment est-ce que tu as fait des douillets? Bon, tu as dit à lui, tu allais là. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Le défi va être élevé haut la main parce que maintenant, une confiance en Dieu et maintenant plus confiance en lui qu'il dit même il y a confiance en lui. En fait, c'est ça que m'a expliqué la dernière fois. Moi, maintenant confiance en lui. Pareil, comment qu'est-ce que je vais m'expliquer quand tu maintenant au jour d'aujourd'hui, tu es dans des rentes, là, je peux m'asseoir. Même que ce soit la salle, même que ce soit le chemin, quand on croise les autres, c'est Ben Jimoun qui a plus de confiance en eux. Aujourd'hui, tu trouves que c'est Ben Jimoun qui vraiment peut m'asseoir la tête haute. Mais ni peut courber devant un ordinateur ou whatever, mais quand on peut rentrer à la vie, pas hésiter, s'il a pour marcher, pour déplacer, pour prendre poids, je vais aller la tête droite devant, je suis strong, tu comprends? Ça veut dire c'est ça. C'est ça petit changement-là qui moi a fait mon plaisir. Moi, mon but, c'est ça. Quand tu peux transmettre ça et tout diminuer ce changement. Moi, mon toi récemment, c'est pas que physique. Parce qu'avant, tu as diminué ton mari complexé avec la balance. Hein, quand je peux monter la balance, ah, je peux faire 80, je peux faire 90, je peux faire 100. Mon gros, mon besoin maigrir. Mais si le balance là, tu peux tout. Tu peux faire 50, mais tu peux une forme, tu peux une souplesse. Tu peux une. Ça veut dire que quand tu es dans les communs, ça veut dire que tu as une souplesse dans toi. Moi, mon envie, c'est ça qui m'a envie de changer au fait. Hein. C'est comment nous expliquer que c'est zéro. Mais si tu as la même envie que moi concernant le manière adhérente, et nous, ne pas inquiéter avec ce qui est dans nos balances. C'est toi par rapport à toi, comment tu sens tu dans tes déco. C'est ça qui a envie de donner à la personne le plaisir de s'aimer comme on est. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il est content. Peu importe si tu balances, peut-être descend, mais c'est bon, quand il peut guetter dans la grâce, il dit waouh, mon content en personnage là, que ce soit mal ou femelle, il dit oui, il est content lui-même. Mais ça, c'est une grande satisfaction quoi, tout ça. Alors, en tout cas, les choses avancent. Nous avons adhérents, nous avons donc Jessica et Valérie, elles sont bien cernées, elles sont bien entourées, elles ont beaucoup de motivation, mais surtout, elles ont deux super coachs, donc Carcé, Jérôme et Fernand pour toi. Et bien, les prochaines sessions qui vont venir s'annoncent dures parce qu'ils ont plus à traverser. Nous arrivons à la mine d'arriver dans pas longtemps, les coachs. Hein? Nous arrivons donc certainement à la mine d'arriver. Le prochain rendez-vous d'ailleurs, je vous capable de découvrir les résultats des filles et aussi le pesage et notre super Olympique. Allez, comment? Bienvenue. 3, 4, come on. 5, 6, 7. Vous pouvez vous faire la là. Non, je vais. C'est bon? C'est bon? Ça vous plaît que tu es dans le vidéo. C'est carré.